Salut à tous! Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, mes nouveautés lectures, on va dire, de ce début printemps, puisqu'on est début mai au moment où cette vidéo sera sortie. Je vous en ai publié une assez récemment de vidéo nouveautés lectures, mais il faut dire que entre le temps où je filme et où je poste la vidéo, parfois il y a 2 à 3 semaines qui s'écoulent. Et là en l'occurrence j'avais déjà acheté 2 ou 3 livres entre le moment où j'ai filmé et le moment où j'ai posté. Et du coup, j'ai pas mal de choses à vous présenter qui se sont en plus accumulées jusque maintenant, début mai. Donc il y a pas mal de choses à vous montrer. J'étais assez calme lors de ma dernière vidéo nouveauté. Vous avez pu le voir, il n'y avait que 6 ou 7 titres. Et là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Voilà. Alors le premier livre que je souhaitais vous présenter, il s'agit de Love, Style, Life de Garance Doré, dont je vous ai déjà fait un article sur le blog, donc que j'ai déjà lu, voilà. C'est pour ça aussi que je voulais faire cette vidéo assez rapidement, pour vous les présenter avant de vous les présenter individuellement, enfin de vous parler de toutes mes nouveautés avant de vous en parler individuellement sur le blog. Du coup, ce livre aussi est sorti il y a un moment, en 2015. Je l'ai seulement acheté récemment chez un bouquiniste pour 10€. Donc j'étais ravie, sachant qu'il vaut 25€. C'est un livre hyper intéressant, du coup écrit par Garance Doré, qui était en fait l'une des premières blogueuses en 2006. C'était une blogueuse photographe illustratrice qui publiait sur son blog et qui avait beaucoup de succès. Donc elle nous parle de son parcours, de sa vie d'enfant, d'adolescente, de sa vision de la mode, de sa vie à New York, des clichés dont qu'il ne faut pas écouter, de maquillage, de sa féminité. C'est un livre hyper complet que j'ai absolument adoré, que j'ai commencé avant de partir au Japon, que j'ai terminé en une après-midi en revenant, tellement que j'étais plongée à l'intérieur. Il se lit quand même assez lentement comparé à d'autres beaux livres que j'ai. Celui-ci est très complet et j'en étais absolument ravie. Du coup, je trouve qu'il vaut son prix, contrairement à certains. Donc, je l'ai trouvé absolument hyper inspirant et j'ai bien commencé mon mois d'avril avec ça. Et je vous le conseille vivement et je suis trop contente. Ensuite, 2 autres nouveaux livres que j'ai en fait acheté entre le moment où j'ai filmé ma dernière vidéo nouveauté et entre le moment où je l'ai posté. Ce sont 2 livres de Carmen Brami. Je vous en parlais très vite fait dans ma vidéo de comment j'organise ma bibliothèque que je vous laisse juste ici, où je vous faisais un petit tour de mes bibliothèques et je vous ai mentionné cette jeune fille qui en fait a sorti son premier livre lorsqu'elle avait 15 ans. Maintenant elle en a 24, elle en a écrit déjà genre 5, c'est un truc de fou. Du coup j'ai acheté ces 2-là sur Amazon. Alors je ne suis pas trop Amazon et compagnie, mais pour avoir des livres moins chers et des livres assez pointus, enfin Carmen Brami tout le monde ne connaît pas quoi. Du coup voilà, c'était assez... assez facile et je crois que j'ai payé même pas genre 11€ les 2, alors qu'individuellement ils sont à 18 individuellement. Donc j'ai pris du coup Hard de vivre et Honte de choc, je ne vais pas vous les résumer, je les lirai bientôt je pense et je vous en reparlerai. Mais j'adore cette fille, elle est très douée, donc voilà. Très récemment, même avant-hier au moment où je poste cette vidéo, où je la filme plutôt, j'ai acheté le tout dernier Catherine Pancol, 3 baisers, je l'avais déjà vu. Il me faisait de l'œil et je l'achetais dans une petite librairie indépendante. J'essaye de plus en plus quand même d'acheter mes livres quand je le peux dans des petites librairies indépendantes plutôt qu'à la Fnac ou dans les gros groupes. C'est pour ça notamment que je n'aime pas trop Amazon, parce que bon, je préfère leur donner mon argent. Alors je vous avoue que je ne sais pas tellement de quoi ça parle. Ils disent juste 3 baisers et l'homme caracole, libre flamboyant, crachant du feu et des étoiles, ses sens s'affolent, il voit 1000 lucioles, des pains d'épices, des incendies. C'est très onirique son truc. Mais j'aime beaucoup Catherine Pancol, j'avais juste été déçue par un, c'était Des hommes cruels, un truc du genre, je vous laisserai le titre là. C'était complètement nul, je n'avais pas accroché du tout. Mais tous ces autres, que ce soit la saga des écureuils et la saga Muchachas, j'avais adoré. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire celui-ci qui était à 9,70€, voilà, parce qu'il est quand même assez épais et j'ai vraiment hâte de le lire. Ça, ce sera plutôt juillet ou août, je pense, ce genre d'ambiance là. J'ai fait un tour bien sûr chez Gilbert Joseph la dernière fois que je suis allée à Lyon et j'ai pris Le cœur d'une autre suivi de Osalide de Tatiana de Rosnay. J'aimais trop la couverture. Je l'ai payé d'occasion à... bah j'ai enlevé les prix, mais c'était 4€ je crois au lieu de 8. Il n'y a pas grand chose dessus, il y a juste écrit Bruce, un quadragénaire divorcé et un brin aigri, doit subir une greffe cardiaque.
À son réveil, il découvre qu'il a changé. Quand son cœur s'emballe devant des tableaux de la Renaissance italienne, il comprend que la personnalité du donneur a transformé sa vie. Il décide alors de tout faire pour découvrir son identité. J'ai trouvé ça très drôle. Ça m'a un petit peu fait penser à un des livres de Tillier où il y a une transplantation cardiaque un petit peu pareil. Et Tatiana de Rosnay, j'ai lu, elle s'appelait Sarah bien sûr. Donc j'ai hâte de lire celui-là qui est en plus trop trop beau. Ce même jour chez Gilbert Joseph, j'ai pris deux livres. Voilà, à chaque fois que j'y vais, je n'en sors que très rarement avec rien, même jamais. J'ai pris celui-ci, Eleanor Oliphant is completely fine. Donc Eleanor Oliphant va très bien, de Gail Honeyman, vendu à 2 millions d'exemplaires. J'ai ensuite vu sa traduction française, mais je suis restée sur l'anglaise, que je trouvais très très belle, aux éditions HarperCollins. Il ne valait pas hyper cher, je crois qu'il était à 11€ pour un très beau livre. J'ai lu la première page, voir si le niveau d'anglais n'était pas trop élevé. Non, je pense que je le comprendrais bien. En plus, il a été critiqué très bienveillamment de la part de Jojo Moyes, qui est l'une de mes autrices préférées. Du coup, j'ai trop trop hâte de le lire. Lui, je ne sais pas trop quand est-ce que je le lirai parce que c'est de l'anglais. Je vais être un peu plus lente, mais voilà, il m'a fait de l'œil. Et j'ai acheté celui-ci, voilà, Notre-Dame de Paris, après ce qu'il s'est passé le 15 avril. C'est une date dont je me souviendrai toute ma vie parce qu'en fait c'était le jour de mon anniversaire. Voilà, je peux vous dire que j'ai passé une super soirée. Moi qui en plus qui adore l'histoire, qui adore Paris, qui adore les monuments. Notre-Dame c'est limite le monument le premier que je vais voir quand je vais à Paris, tellement que je trouve cette cathédrale incroyable. Et je m'étais dit que c'était l'occasion de lire le chef-d'œuvre de Victor Hugo, dont je n'ai jamais rien lu de ma vie, oui oui oui. Donc voilà, je fais un petit retour dans les classiques, là c'était une très très bonne occasion, l'édition est très très belle, il ne valait pas cher du tout. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, il sera un petit peu long parce qu'il y a quand même 700 et quelques pages, mais voilà, je pense que c'est l'occasion de le faire. Je me suis acheté également chez le bouquiniste où j'ai acheté Love, Style, Life, Ragdoll de Daniel Cole, que j'ai payé 2,50€, une misère, et j'étais ravie parce qu'il était dans un état ben nickel et que je le voulais depuis un moment. Alors c'est un polar très très hard, puisqu'ils disent qu'un cadavre recomposé à partir de 6 victimes démembrées et assemblées par des points de suture a été découvert par la police. Voilà, ça donne envie. Je pense que dans la lignée de Tillier, c'est pas trop mal. Je vous avais fait un focus sur Tillier si vous voulez savoir un peu plus sur lui, mais voilà, je pense que ça va pas mal ressembler. Et j'ai hâte de le lire, ce sera pas tout de suite, mais voilà. Un livre dont je ne vous ai pas parlé, que j'avais eu juste après avoir fait ma vidéo nouveauté, c'est Le Mystère Lagerfeld de Laurent Allen Caron. Voilà, c'est ma tante qui me l'a acheté pour mon anniversaire aux éditions Fayard, qui est sorti juste avant que Karl meure le 18 ou le 19 février, si je me souviens bien. Alors, Karl, c'est un personnage très controversé. Certains le détestent parce qu'ils disent qu'il était très virulent, assez méchant dans ses propos, ce qui est vrai, en soi il n'aimait pas les femmes fortes ou quoi, il les critiquait un peu. Mais moi j'ai toujours eu l'image d'un génie en fait qui ne s'arrêtait jamais, qui créait sans cesse. J'avais vu pas mal de reportages sur lui, lu pas mal d'articles en rapport avec le fait qu'il créait 12-13 collections par an rien que pour Chanel. Il travaillait aussi chez Miu Miu et chez Fendi. Du coup voilà, c'est un homme qui était touche à tout, qui ne s'arrêtait jamais, qui était brillant. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de peine quand j'ai su sa mort, vraiment. En fait, j'arrivais pas à réaliser que ce génie de la mode, ben, n'était plus là. Bref, du coup, on m'a offert ce livre-là que j'ai hâte de lire pour en découvrir un petit peu plus sur la vie de Monsieur Lagerfeld. Une autre fois, quand je suis allée chez Gilbert Joseph, j'ai encore fait un craquage. J'avais fait un craquage de 5 livres juste avant le précédent dont je vous ai parlé de craquage. J'ai acheté La Montagne en sucre de Wallace Stegner en occasion, qui au lieu de 13€, je crois que je l'avais payé 6, donc ça allait largement. Aux éditions Gallmeister, je vous disais dans une vidéo que j'adorais les éditions Gallmeister, qui est en fait une maison d'édition qui retrace uniquement des histoires se déroulant aux États-Unis. En l'occurrence, c'est le cas puisque ça se passe dans le Dakota en 1905. La jeune Elsa arrive du Minnesota dans l'espoir de fonder une famille. Beau, lui, rêve d'aventure et de fortune. Lorsqu'il tombe éperdument amoureux, ses aspirations contradictoires semblent accessoires. Bref, voilà, il va se passer plein de choses. Il est absolument gigantesque. Il fait 800 pages. Je me suis un petit peu emballée peut-être. Mais c'était l'occasion d'avoir un Gallmeister moins cher et ça avait l'air cool. Donc voilà.
Le jour même, j'ai pris 4 classiques dont je suis assez fière de moi, dont un Jules Verne qui est le château des Carpates, que j'ai payé également en occasion, donc j'étais contente, que j'avais même pas payé 3 euros. Le château des Carpates, c'est un Jules Verne dont j'avais entendu parler sur le blog de Victoria de Mango and Salt, qui n'est pas le plus connu de Verne, mais qui a vraiment l'air très bien. Du coup, je vais essayer de passer outre ma déception du voyage au centre de la Terre dont je vous parlais dans une ancienne vidéo ici, où je vous disais que je n'avais pas trop aimé, et du coup ce sera mon prochain et j'espère que j'adhérerai mieux. Ce jour-là également, j'avais pris 2 Daphné du Maurier. Vous connaissez ma passion pour l'autrice dont j'ai lu Rebecca et dont j'ai lu 3 nouvelles. Il me manque ma cousine Rachel à lire que j'aime et voilà. Un jour, je m'étais beaucoup renseignée sur ses écrits et j'avais vu notamment ces 2 livres-là que j'ai trouvé en occasion, les 2 chez Gilbert Joseph. Je les ai payés, je ne sais pas, environ 4 euros l'unité, donc ça valait vraiment beaucoup le coup. Il y a L'Auberge de la Jamaïque et L'Amour dans l'âme que j'ai vraiment hâte de lire. Je pense que j'en lirai un au mois de mai. Du coup, je vous ferai un retour très vite. Mais voilà, Daphné du Maurier, je vous ferai un focus sur elle, je pense. Le jour où j'aurai lu plus d'écrits d'elle, peut-être fin d'année, début d'année prochaine, je sais pas. Et le dernier livre que j'avais acheté ce jour-là, c'est Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, dont j'avais beaucoup entendu parler, notamment pour Une chambre à soi, mais qui n'était pas d'occasion. Du coup, j'ai pris celui-ci et je l'achèterai une prochaine fois. Qui raconte en fait la journée d'une femme élégante de Londres en mêlant impressions présentes et souvenirs. Personnage surgit du passé comme un ancien amour ou membre de sa famille ou de son entourage. Ça se passe sur une journée, ça a l'air assez sympa. Virginia Woolf, c'était l'occasion de lire un de ses écrits qui était l'amante de Vita Sackville-West, dont j'avais lu un livre et que j'avais beaucoup aimé, dont je vous parlais dans mes livres lus en... je crois que c'était en février, que je vous laisse ici. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et il me reste 2 livres à vous présenter. Alors il y a Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas, que j'avais vu dans une maison de la presse, qui avait écrit Le Fakir coincé dans une armoire Ikea, qui avait l'air très cool, qui avait été hyper vendu. Et je trouvais que le titre était génial, et surtout la première phrase du résumé. Agatha Crispies est lieutenant de police de la petite ville de New York, Colorado, 150 habitants. Là on se dit, référence à Agatha Christie, New York dans le Colorado et 150 habitants, ça m'avait fait mourir de rire. Du coup, celui-ci, je l'ai déjà lu. Je vous laisserai mon article dans la barre d'infos que j'ai réalisé. Je vous en dirai plus également dans ma vidéo de mes livres lus en avril, qui arrivera juste après cette vidéo, donc une dizaine de jours après. Et vraiment très cool et fidèle à son titre. Et le dernier livre que j'ai eu, que ma mère m'a acheté, il s'agit de Oreiller d'herbe de Natsume Soseki, qui est un grand maître de la littérature japonaise, son nom l'indique, qui est né en 1867 et mort en 1916, donc un écrivain du 19e, 20e, qui est très connu en fait. On ne le trouve pas de partout, je sais que lui je l'ai trouvé à la FNAC, et il y en avait seulement 2 de lui alors qu'il en a écrit beaucoup. Donc j'ai absolument hâte de lire un classique de la littérature japonaise. J'adore le Japon, vous avez vu que mes livres lus en mars, c'était un mois japonais, je vous laisserai la vidéo juste ici. J'adore la littérature japonaise, je suis très Haruki Murakami, mais là c'est l'occasion de lire un petit peu autre chose. Donc voilà, j'ai absolument hâte et je trouve que l'édition Rivage Poche est vraiment trop chouette. Donc voilà, c'en est tout et c'est énorme pour mes nouveautés lecture de ces dernières semaines, on va dire printemps 2019. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Il y a 14 nouveaux livres qui s'ajoutent à mes 3 bibliothèques déjà conséquentes. Vous l'aurez vu dans ma vidéo de ma présentation de mes bibliothèques. J'ai genre 400 et quelques livres. J'ai genre 150 livres à lire et j'en achète tout le temps. Je ne peux pas m'en empêcher. Parce que en l'occurrence, pour les livres d'occasion comme celui-ci, ben je me dis la prochaine fois que je viendrai, il n'y sera peut-être plus, ce qui est vrai. Donc voilà. Et puis je me dis comme ça, je les ai. Et voilà, je n'ai pas d'excuses. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes tout le temps en train d'acheter des livres alors que vous en avez des dizaines d'avance. Ça, je pense que c'est assez représentatif des personnes passionnées et qui ont un peu peur de louper le coche sur des trucs. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois
que je sors une nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses par ici, que vous réagissiez, que vous vous abonniez. Ça me motive beaucoup à publier pour plus souvent parce que j'adore la lecture, vraiment j'adore partager toutes mes découvertes avec vous. Et là je vais essayer de trouver un petit peu des autres sujets de vidéos pour pas que ce soit trop redondant sur cette chaîne là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!